Salut tout le monde, salut Thierry. J'ai une petite question. Comme je vais faire une vidéo là sur la TMT-16, j'en profite juste avant pour faire ma question sous forme de vidéo. Là, j'ai pris une démo chez Velocity Future pour continuer à avoir Sierra gratuitement pour l'instant, même si j'aurais pu payer 20 $ pour l'avoir ce mois-ci. Enfin bon, bref. Je savais pas trop si j'aurais eu un flux avec, donc j'ai préféré reprendre une démo chez un broker avec Titi comme flux, Titi fixe. Hein. Mais j'ai un souci avec ce flux-là. J'avais pas avec EQFIL. J'ai mes graphiques historiques n'affichent pas énormément d'historique, justement. Par exemple, si je prends le gold, tu vois, je vais resserrer. Tu vois, à partir de août, ben là, j'ai plus rien, que des bouts de bougie. Tu vois, alors ça me donne pour le coup, ça me donne un volume profile complètement bidon. Ça me fait ça pour tous les actifs. Sauf pour ceux que j'avais téléchargés précédemment avec EQFIL. Par exemple, le crude, j'avais fait mes graphiques historiques avant avec EQFIL, j'ai pas ce problème-là. Et le S&P non plus, j'ai pas ce problème-là, je les avais eu avec EQFIL. Mais tous ceux que j'ai, le DAX, c'est pareil, tu vois, j'ai que ça pour le DAX. Tous ceux que j'ai avec Titi, Trading Technology, hein, bah, au bout d'un moment, j'ai que un bout d'historique, quoi, j'arrive pas à regarder le YM. J'arrive pas à avoir un truc correct, quoi. C'est tout bidon, donc j'ai même pas un an. Donc, du coup, mes POC, Yearly, VL, Yearly, tout ça c'est pourri, tout est pourri. Alors, je suis allé je me souviens plus là, Max Historical Intraday de mon autre 10 000, j'ai fait ça change rien. Toi, Titi fixe trading historical data service, bon, ça c'est pas là. J'avais été, je sais plus dans quoi j'avais, voilà. Day to display load, j'ai mis 4380 par défaut, c'était apply. Ok, ça change rien. Il y a ça. Donc, ma première question c'est ça, comment je fais dans Ninja? C'est facile. Bon, là, c'est en train de bugger parce que je télécharge en 2 minutes la template F16. Mais dans Ninja, si j'arrive à avoir Control Center, je vais dans. Non, je vais pas pouvoir. Enfin, là, je vais dans Tool, Instrument Data Manager. Je choisis un instrument, par exemple le Gold. Je coche minute, tick minute, day. Sur calendrier, je coche par exemple 1er janvier 2008, download. Et ça va me downloader l'historique depuis le 1er janvier 2008. C'est tout simple. Mais dans Sierra, je n'arrive pas à comprendre comment faire. Ça, c'était ma première question. J'espère que c'est clair. Et j'avais une seconde question. Je ne sais plus ce que c'est. Merde. Ah oui. Dans Chart Setting, dans Study, pardon, j'ai fait une study qui s'appelle Historique, avec les Bollinger, les TPO Yearly et les Volumes by Price. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi j'en ai deux? Non, celui-là, il est pas bon. Ça. Et les volumes by price 300 jours. Tu vois, j'ai donc créé cette study. Et quand j'ouvre un graphe, par exemple, je vais prendre n'importe quoi, le yen, tiens, Open Historical Chart. On va mettre en joystick. Donc là, pareil, hein, 3080 jours. Ok. Là, je suis sûr que j'ai pas beaucoup d'historique. Tu vois, ça s'arrête. Pareil, ça s'arrête. J'ai que ça. Je peux pas aller, je peux pas ouvrir le graphique. J'ai que ça. Et même si je pouvais le bouger, je suis sûr que ça serait pareil. J'aurais que des petits bouts de bougie. Bon, bref. Donc, quand j'ouvre mon graphique, je voudrais mettre la study historique que j'ai créée. Je fais ça. Je mets historique. Apply. Ok. Et rien n'apparaît. Alors, je m'y prends mal? C'est ça ma question. Voilà.
Voilà pour cette vidéo question. Merci.